Ah oui, ça va se fondre très très rapidement. Voilà. Demande d'expertise. Alors, mademoiselle, elle est chez vous depuis combien de temps? Alors, Sonia a fait un apprentissage pour une année. Oui. Elle a fait un BEP pâtisserie. Voilà. Un BEP pâtisserie sur 2 ans. D'accord. En province, à Poitiers. Et puis, elle a fait une mention complémentaire chocolatier confiseur. Très bien. Comment vous vous êtes rencontrés? Alors, j'ai rencontré Sonia grâce à un ami commun. Oui. Qui m'a fait connaître Sonia et qui m'a dit, voilà, j'ai une amie qui voudrait faire une mention complémentaire. D'accord. Et puis, j'ai rencontré. Alors, elle est efficace? Elle est un peu grande gueule? Elle est comment? Très, 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 très. Sinon, j'aurais jamais pris dans mon entreprise, qui est en plus une entreprise très jeune. Oui, j'aurais jamais engagé. Parce que vous savez, on dit toujours la première impression est importante. Très. Elle est essentielle. Alors après, oui. On se trompe parfois. Mais moi, je veux faire confiance justement à cette première impression. D'accord. Et ça s'est bien passé et depuis, ça se passe bien. Alors malheureusement, elle restera qu'un an. Ok, très bien. Voilà, après, il faut mélanger. Oui. Progressivement du centre vers l'extérieur pour donner une texture homogène. Du centre homogène. Vers l'extérieur, voilà. D'accord. C'est le mélange de la ganache qui se fait traditionnellement de cette façon. Et votre famille, elle vous demande de ramener du chocolat tous les jours? Pas tous les jours, mais ouais, régulièrement. Et votre rêve après votre fin de stage ici, ce serait? Pour le moment, il faut que je finisse mon apprentissage. Donc, vu qu'après, je vais faire un BTM sur 2 ans en pâtisserie. Oui. Il y a encore du boulot en tant qu'étude. Voilà. D'accord, voilà. Très bien. Et alors, le salon elle réussira de... parce qu'elle est sérieuse. Oui, bah, ça se voit. Quand on aime ce que l'on fait, on a plus de chances de réussir. Après, il y a les opportunités de la vie, mais c'est important. D'accord. Et vous avez fait le salon du chocolat? Je vais faire le salon du chocolat. Alors, j'ai fait beaucoup d'autres salons du chocolat. J'ai fait le premier salon du chocolat il y a 13 ou 14 ans. Oui. En faisant la première robe en chocolat. Mm-hmm. Ok, bon, laisse mademoiselle qui est hyper sérieuse. Hein.